Ah bah j'avais laissé un coffre d'âme ici. En même temps, s'il n'y a pas la carte des trésors sur tous les passages, c'est un peu compliqué quand même. De ne pas en rater des petits à la con. Ah! Ce n'est pas un piège, cavalier. Je suis seul. Moi, Uriel des Gardiens des Enfers, championne de la Cité Blanche, te lance, cavalier, un ex-sacramentum. Imbécile. Je revendique un droit sur ta vie devant le Créateur. Feras-tu fi de cette loi aussi? Pourquoi? Abaddon disait que tu connaissais l'honneur. Et parce que c'était le meilleur de nous tous. Le serment à la mort ne peut être rompu, jusqu'à ce que l'un tombe de la main de l'autre. J'accepte. Tu ne peux pas te soustraire à ton destin. D'accord, donc quand les ailes se chargent, c'est pas le moment d'attaquer. Bah pourquoi je la touche pas là-haut? En fait, elle m'a déjà fait super mal, cette conne. T'as rien de mieux sous la main, meuf? Genre, c'est même pas une difficulté, ça, ce machin. Mais elle fait mal sa mère, cette andouille! Mais. Bon, ok. T'as gagné. Je suis en colère. Je suis très très colère. Agro gros, agro gros. Si tu pouvais retomber, s'il te plaît. Je voudrais bien te taper avant que ma barre de rage. Voilà. Voilà. Ma barre de rage est partie dans le néant. Tu m'as sous-estimé. Raté. Par contre, ma peau de pierre. Ma peau de pierre! Bordel, si tu pouvais crever vite, s'il te plaît, toi. Défends-toi, traître. Justice. Oh merde. Elle fait super mal, quoi. Ils sont très bien, mais j'avais que Season. Bah, Season, c'était le meilleur pour moi. Tamagotchi. On va peut-être plus utiliser ça. Ce n'est pas un... Tu n'iras nulle part, cavalier. Défends-toi, traître. Et pourquoi je recommence pas avec toute ma vie, moi? Tu m'as sous-estimé. Et pourquoi elle prend aucun dégât? Le jeu... Le jeu, tu triches, ça suffit. Défends-toi, traître. Tu m'as sous-estimé.
Alors effectivement, comme quelqu'un l'a suggéré, on va la flinguer plutôt qu'autre chose, parce que là, apparemment, il n'y a rien qui passe. Défends-toi, traître. Les gens m'ont fait toucher quoi. Non mais elle partout. Défends-toi, traître. D'accord, mais quand j'utilise mon... sous-estimé. Juste mon grappin en fait, il y a ça me met en l'air et du coup je peux rien lui faire en fait. Oh là. Et tu vas bouffer, oui. Mais elle prend rien, cette saloperie! Oh, une barre de vie aurait été pratique pour voir à peu près où est-ce que j'en suis. Défends-toi, traître! Et cette fois-ci, tu as bouffé. Hein. Voilà. Mange, salope. Tu m'as sous-estimé. Défends-toi, traître. Oh, c'est punch. Oh! Décide quand l'ange meurt, pas toi. Tu m'as fait un serment. Abaddon est le destructeur. Menteur! Pour te protéger, il t'a caché la vérité. Tu as promis de suivre ton maître dans les enfers, sans savoir ce qui t'attendait, ou ce qu'il deviendrait. Abaddon. Il a été trahi, et il est devenu l'ennemi de toute la création. J'ai trouvé l'arbre. Son don, c'était la vérité. Et je la partage avec toi. N'oublie pas le serment à la mort. Bientôt, il se réalisera. C'était le scénario. Putain, je suis passé à côté de ça, sérieux? Il y avait un fragment d'éclat de pierre de vie ici, et genre je suis passé à côté comme un con. Par où ça m'emmène après? Au truc des araignées. Est-ce qu'il y avait quelque chose?
En passant par le truc des araignées, d'intéressant. Je crois pas. Et par ici, ça mène à où? Non, par là, il n'y avait rien. Mais il y a vraiment un endroit, j'arrive pas à recaler comment est-ce que je suis passé pour y aller, quoi. C'est clairement un endroit où j'avais besoin du grappin. Je sais plus du tout de par où j'étais passé, quoi. Ça devait être pour la ville des araignées, je pense. Oh putain le con. J'allais m'éclater une phalange contre le coin du bureau. Ça fait pas du bien. D'accord, ça compte sur eux. Vraiment, le pistolet, il sert juste pour le cheval, quoi. Attends, non, il y avait une histoire de ralentir le temps, si je dis pas de bêtises aussi. Quoique non. Yashivul Grim, oui. Ah, et par là, c'est là où il y avait le gros vert. De toute façon, apparemment, il y a un fragment à récupérer ici. Coucou, mini drago troll. Troll. Tu t'amuses à changer de pseudo ou. Ou c'est une autre personne. Ah bah c'était là, oui, que j'avais vu qu'il y avait un truc, machin, ok. Merde, pour de touche. Oui. Je peux pas monter. Ah bon. D'accord, j'ai besoin d'utiliser le cheval pour monter. Parce que...
Quoi? Non, je suis juste sur You. Quoi? YouTube, d'accord. Parce qu'on a Mini Drago 54 aussi sur Twitch. Ça va être pratique ça. May the horse be with you. Ok, donc c'est trop court. Comment je suis censé passer? Quelle est l'arnaque? Putain, il y avait un truc à grappin, sauf que je l'avais pas vu. Je crois même si c'était visible en fait. Sur Twitch, d'accord, donc c'était bien Monsieur Minidrago qui faisait le malin. Apparemment c'était tout ce qu'il y avait à faire ici. Il devrait mourir, oui. Cependant, j'ai pas assez d'abonnés pour me permettre de les buter. Je suis un farceur. Un farceur qui dit. Dérive du Léviathan. Je me souviens aussi que dans un des passages du serpent, il y avait un coffre inaccessible aussi. Je me souviens plus lequel c'était. Alors de mémoire, c'était genre juste pour récupérer un fragment de vie, mais... Et ça se trouve, c'était pour quelque chose de plus intéressant. On va juste vérifier qu'il n'y a rien a priori qui puisse être à débloquer maintenant qu'on a des super pouvoirs de vision de la mort. Ici, on avait normalement tout récupéré. Quoi qu'attend, c'était. Il est marqué où ce fragment là? En fait, non, on a peut-être pas tout récupéré. Me transformer en David de la Forge Pokémon. Non, ça ira.
Ok, alors. Ah, effectivement, il y a des traces de machin pour monter là. La question c'est par où je passe? On peut faire ça? On peut faire ça? Ah bah d'accord. Bah merci le jeu. Idiot de venir ici. Oh putain. Mais lol! Pourquoi d'un seul coup il a plus d'allonge que son pote lui? Tiens, je vais pas me faire chier. Tu me casses les couilles toi. J'ai d'autres problèmes à gérer. Possession, augmente un certain élément. D'accord. C'est juste un biniou à la con, une potion magique. Je l'enchaîne dans le coin, quoi. Elle est où l'autre? Elle est où sa copine? Ah, te voilà. Ce cri de voiture. J'étais limite à deux doigts de me poser la question, oui. Bon, écoute, elle est trop conne, hein, c'est pas grave. Ah, il me manque plus qu'un fragment, dis donc. Je confirme que le vol de vie, ça ramène rien du tout. Hein. Avec tout ce que je la bourrine dans le coin. Bon, en même temps, pire, si je meurs, c'est pas bien grave. C'est pas hyper punitif dans le jeu. Hein. Mec, vol de vie, c'est mieux dans le 2. Bah, possible, hein, mais... Là, c'est chiant, quoi. Allez, ramenez-vous les chauves-souris. Il est passé où? Scrunch. Allez, refile-moi un peu de vie. Pff. Pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais ma foi, ça marche quand même. Ah! Ah, j'ai bien fait de repasser par là.
Putain, il m'a touché, quoi. Il refile que dalle de vie en plus, c'est sac à merde. Genre le vol de vie me ramène moins de vie que juste bourriner des zombies, quoi. Quand même un peu con. Abattez-le ! Il ferait beau voir, tiens. Abattez-le, qui dit. Mais ça qu'à merde ! Voilà. Tu fumes ton canon à pulsatron là. Y'en a pas d'autres des enfoirés? Je sens bien en avoir vu d'autres. Normalement, j'ai déjà été voir ce qu'il y avait à prendre là. Mais juste dans le doute. Bon, je vais, j'ai des courses à faire pour les sushis de ce midi. A plus, Jericho, et puis bon sushi. Ah, fait vraiment que je n'ai pas mangé, tiens. Ça a peut-être une erreur à corriger.